T'en prie, inscris, abonnez, subscribe dans YouTube channel Mitan Kafoua. Remenons tout sur Facebook, like us on Facebook Mitan Kafoua. T'en prie, inscris, abonnez, subscribe dans YouTube channel Mitan Kafoua. Remenons sur Facebook, like us on Facebook Mitan Kafoua. Salut tout le monde, non pas moi c'est Marc Lubin, nous connaissons que Mitan Kafoua et nous toujours recevoir sous podium Mitan Kafoua des Haïtiens ordinaires qui font un travail extraordinaire, des Haïtiens exceptionnels. Ce sont des rôles modèles qui existaient à travers le monde, rôles modèles haïtiens, que en pile monde pas connaît. Et souvent, on a croisé avec lui dans la rue, on pas même connaît que si son rôle modèle que lié. Et c'est eux-mêmes que nous menons sur le podium Mitan Kafoua pour présenter, pour parler avec vous. Et là, on a Mitan Kafoua, qui ça vous fait? Vous parlez de histoire, vie personnelle, vous parlez de histoire, vie professionnelle, yo. Et comment vous fait arriver, côté vous arrivez, qui monde que vous et qui côté vous sorti. Et là, vous avez une inspiration qui permet que vous-même, vous avez vie en l'autre direction, pour vous-même, vous capable, qui sont capables d'améliorer la vie ou, et puis vous t'es dans une position dit ah m'pa wè devant m'pa wè derrière mais là vous entend des histoires invité nous qui n'a mis tant qu'à foi qui inspire ou, et puis là regardez où est la vie ou capable changer et puis le ça ou commencer servir tout le monde et remettre ça que vous apprenez et puis ou capable aider tout le monde progresser ensemble dans façon ça moun sa yo moi toujours dis c'est moun pa nou yo nous mené yo nan mitan kafoua an valorize yo an valorize tête nous nan mitan kafoua et comme invité jodi a nous gagnons docteur Batelmi Bolivar qui nan Canada nan Manitoba li pral ba nou détail de qui ça l'a fait l'autre bois li gon baccalauréat en éducation et secondaire li gen une maîtrise en éducation et dans l'université que le prend dans Manitoba, li gon doctorat en didactique des sciences et des mathématiques, li gon maîtrise tout dans business administration. Mais ça qui est important, li gon l'école qui en ligne pour moun qui pa gen moyen à l'école, pour moun qui besoin, qui gen travail, qui occupé, mais moun sa ou capable joindre moyen pour capable éduquer tête yo tout. Avant nous saluer, invitez nous avant que li saluer ou tout pour le partager vie professionnelle li avec vie privée avec nous la petite pause commerciale et puis n'a retourner tout à l'heure non pam c'est Marc Lubin nous dans Mitan Kafoua ou joindre nous sur YouTube et bien ça pour faire subscribe abonner ou bien inscrire dans channel YouTube nous remet nous sur Facebook non pam encore c'est Marc Lubin bienvenue dans Mitan Kafoua on petite pause commerciale n'a retourner tout à l'heure. Eh bien, nous retournons dans Mitan Kafoua, invitez nous son gros garçon haïtien et son rôle modèle pour nous toutes, c'est docteur Batelmi Bolivar. Nabdil, bienvenue dans Mitan Kafoua. Comment y est, doc?
Moi très bien. Merci beaucoup pour l'opportunité ça ou bon moi Marc Lubin pour me participer aujourd'hui avec tout auditeur auditrice émission Mi-temps Carrefour. Donc quittez que moi encore encourager ou féliciter ou pour bel travail ça qu'on a fait pour mettre en valeur, vous comprenez, tant qu'on dit des mondes ordinaires, des citoyens ordinaires, des citoyennes ordinaires, mais qui a essayé font un travail extraordinaire. Donc, je pense que des places pour ça et espace médiatique là, tu as supposé utiliser pour encourager l'autre monde pour faire des bagages ça. Donc, on n'a pas besoin et on pas qu'être gros éducation pour faire des bagages extraordinaires. Si tu es dans une bonne place ça, vous l'autre dans une bonne place ça, ou une bonne équipe là, je pense qu'il y a un pile de bagages qui est capable de faire. Donc, encore merci, Marc Lubin. Eh bien, comme nous merci tout, et comme nous toujours demandons tout invité nous, qui côté au fait, qui côté au sorti, qui moun nouye, bon outil détail de vous. En fait, moi, fait dans milieu rural, dans fin fond, capable de paysannier, moi, fait et en fait, dans en dehors, celui du Nord, vous comprenez? Dans ça ou là, dans la zone Gaspario, etc. Donc, et c'est là que moi, fait et à l'époque, papa, c'était tailleur. Donc, il était surtout lui-même, lui quitter au Cap, lui aller chercher et travail dans la zone là, parce qu'il y a compétition, vous comprenez? Donc c'est toujours mouvement ça, et c'était un déplacement purement économique. Donc il était dépassé, aller dans la zone là, et puis c'est là qu'il a rencontré ma maman, qui était déjà mariée, mais avec des petits mondes, et puis ils ont décidé d'aller ensemble. Donc en fait, c'est comme ça que vous faites. C'est ça qu'on fait. Mais qu'on y a là, qui koto commence à aller l'école en Haïti, ou commence classe ou primaire et secondaire en Haïti? Exactement, exactement. Moi, à un certain moment de la durée, papa m'était supposé retourner Bahamas. Pendant que maman lui-même était tout lui-même, c'est le genre d'agent de développement, genre de, nous capable de dire, agent de santé, vous comprenez? Travaille avec des infirmières qui étaient sur la formation, qui étaient là comme ça. Donc, dans l'époque, ça, non, ouais, c'est pas bon, bonne réputation que tu gagnes dans l'école qui était solide, ouais. Pour l'époque là, ou bien du moins sans du papa, ouais. Et il était fait choix, il était, parce qu'il était pour le déplacer lui-même pour le parti, il était demandé maman pour me capable à joindre et seul avec maman qui était au Cap, donc ça fait 30 et grand moins, qui était au Cap pour me capable à l'école. Donc ça fait que depuis à peu près 3 ans et demi, 4 ans, je suis arrivé au Cap, je commence à l'école. Dans maternelle, ensuite, moi, commencé primaire, moi, et frère, instruction chrétienne, FIC, et au Cap, et secondaire, moi, tout, moi, faire au Cap dans le collège Notre-Dame, en du perpétuel secours. Et à l'époque, au TAP, au Télécole, au CAP, comment ça t'est, ambiance scolaire là, ambiance dans la ville là, comment ça t'est? Est-ce que son élève qui était là, concentré sur les affaires de l'école, mais qui était entre plaisir et l'école, comment ça t'est beau? Bon, écoute, premièrement, dans l'environnement que nous avons avec ma tante moi, qui était toujours un genre de pression sous lui. Et il m'a pas de pression, hein, c'est que il y a un grand frère qui quittait petit Clinamère comme petite soeur, ou pas vider ce voile. Ouais. Donc, son frère, l'on a pression ça sous dos, ou passer pression sous Timounio, pour que Timounio a bien agi parce qu'on a besoin d'un bon rapport à grand frère là. Parce que on connaît que et tant qu'on toujours dit je dis et cabrit mourir dans mes mettre lui hein, pas de problème mais mourir dans mes vous comprenez tantôt il y a problème. Ça veut dire que il était toujours un genre très strict avec nous dans les affaires d'école nous pour nous prendre ça au sérieux expliquer nous tout que l'école dans un moment c'était seul genre de sonnerie et vecteur ou bien véhicule de mobilité sociale. Ça veut dire si à travers l'école ou qu'à venir au monde, à travers l'école ou qu'à changer situation, statut social ou économique ou etc. Donc, dans ce sens-là, nous t'es appliqué et deuxièmement tout, nous t'as dit, nous avons certains privilèges tout parce que nous t'apprenons vite, vous comprenez? Et l'école va tomber fille pour moi, ouais, sans besoin. Donc, sans pas là, comme si, notre ventre était tellement, etc. Mais quand même, et quand frère, nous t'es toujours gué les quoi rouge, quoi bleu, hein, you bye. Là où bail rapport, nous t'es toujours gué et quoi rouge moins, vous comprenez? Quoi rouge là, c'est pour excellence.
Excellent, exactement, exactement. Bon, quoi, ou machin à la rue avec lui, etc. Et dans l'époque là, et au cap, t'es plus ou moins calme, t'es propre, et t'es bon niveau de respect, et au niveau de fierté, vous comprenez? Et ça n'est des fiertés christophiennes, non? Côté que c'est capois, c'est au cap, c'est vous comprenez? Ça veut dire au cap, t'es sonné en bagaille, t'es venu dit en bagaille, c'était t'es bon tout ton symbolisme, t'es bon tout ton réputation. Ah, d'excellence, de fierté, de pousser poupée devant, comprendre? Donc, oui, dans ce sens-là, moi, j'étais obligé d'arrêter sous affaire l'école moins, et focus sous affaire l'école moins, etc. Et, capable de dire, et, je dis à qu'on a dit, petit moi, ça me dit, moi, l'aime bien dans la journée, c'est dictionnaire, qu'on a dit. Alors, on passe Eh, bah, il a changé qu'on y a assez Google. Ben, c'est Google pour toujours un iPad dans mes yeux, vous comprenez? La période, moi-même, c'est dictionnaire qu'on a étudié, mais pas parce que me manquait rien d'information. Ça veut dire que, dans le sens que tout est un climat de compétition. Même si parfois, l'idée comme paraît, comme dit, l'idée trop poussée entre élèves, qui est-ce qu'il y a devant, qui est-ce qu'il y a premier, qui est-ce qu'il y a. Vraiment, l'idée trop poussée, mais quand même. L'été, mon genre, intéressant parce que nous, comme si nous étions clairs, nous étions une belle note, nous étions venus devant. Ouais, ça me Oui, zone c'est en compétition pour la oui. production, pour positivité alors. Exactement. Même si c'était poussé parce que, surtout, vous voulez pousser, ça me relaye au mode de collaboration que compétition, ouais. Et parce que, dans le sens, ça, tout ça crée des exclus, ça crée le bagaille dans le système social, nous. Mais par contre, nous te gagnons, mais quand nous perdu ça, nous perdu tout, ça veut dire que nous pas aucun côté qu'on est à là. Ouais, c'est mes zones, Et ouais, parfois, il y a une sorte de perte de sens, il y a une sorte de, nous déboussoler, bon créole là, nous déboussoler, Mais c'est que à mon malgré ça, ça permet que vous restez focus. Mais pendant l'époque ça, qui sortait gagné comme rêve pour te venir dans 5 ans, dans 15 ans, bien dans 20 ans après? En fait, vu faciliter l'école, on était capable de dire, tous les espoirs étaient permis. Ouais, ça veut dire. Et tous les rêves étaient permis parce que dans la période là, t'as qu'à venir médecin, t'as qu'à venir devenir cardiologue, devenir un bon docteur en psychologie. Parce que dans la période là, tout collège, tout dans l'internat secondaire, moi, j'étais censé, j'étais fait partie du leadership là. Donc, ça veut dire, j'étais dans le comité étudiant, j'étais dans le retour, nous prenons l'élection, dans même M. Philo, il n'y a pas très bien ça, j'étais fâché. Côté que, j'étais arrivé, pousser, imposer un camarade, nous, vous comprenez? Pour te prendre l'école là, parce qu'ordinairement, c'est mon philo qui dirigeait. Et puis, dans philo, je devine président et collège, OK, Notre-Dame. Notre-Dame. Donc, comme étudiant. Et, mais ça qui était intéressant, c'est que dans la période ça, c'était qu'on a pu recevoir des anciens collégiens, des mounes qui étaient dans l'école là, qui viennent Médecins Canada, qui viennent. Donc, ça veut dire que mounes, t'as présenté des modèles pour nous. OK. Et que, nous sommes un cardiologue ou bien aller dans la psychologie, etc. Donc, c'est un domaine qui est vraiment intéressé. Est-ce que gen yon nadeyo ki yo kapab ban nou ke nou ta tout profite valorize nan mitan kafwa ki te fe yon gran diferans nan vi ou e nan direksyon ko pran pou bin moun ou ye jodi a? Paske nou pral pale don l'ekol ko mette an lin pou ede moun apren e fe moun progrese tout, me avan nou rive la, eske nan moun sa yo ansyen elev Notre-Dame au Cap yo, nan sa ki vin Medecin Canada ou bi a traver le moun kote yo vin profesyonel ki kembe kontak avèk l'ekol la, ki es la dan yo, ki te gen plus, sa yo le influensyo beaucoup plus. Bon, écoutez, noyo capable échapper moins, ouais. Donc, surtout dans ça, bon, époque là, quand même, c'était Perrine Asselixan, qui était directeur, ça me connaît, qui était compagnie de ça, mais moi qui t'a monté, venir, aller, retour, capable de dire, exactement, gagnant que m'oublie, il pas vrai, fait tombe. Parce que c'était un Hippolyte, yo. Donc, Hippolyte, mais faut ça, faut me t'a vérifier. Mais peu importe, ça qui est important, c'est que peu importe, noyo, c'est que c'était des figures, et, incapables de dire, qui m'ont servi de leur venir vraiment, ça fait qu'on, ça fait qu'on inspiré, nous. Ouais. Ce sont des figures emblématiques. Et c'est emblématique, et à quelque part, qui était inspiré,
aspirer nous vers quelque chose de plus grand et de plus beau, vous comprenez? Et capable de dire dans ce sens-là, nous avons bénéficié de présence. Nous avons bénéficié de présence. Et nous étions très contents que nous étions retournés pour parler avec nous, pour dire nous, nous-mêmes, qui route était passé, etc., et qui carrière était arrivé fait, étudiant que nous étions à l'époque, et qui faisait rêve tout, qui voulait aller de l'avant. Et où Manitoba, au Canada, depuis 17 ans, est-ce que ou commencez études universitaires, ou bien ou commencez enseigner tout en Haïti? Est-ce que vous avez un petit détail sur ça? En fait, ça arrive, c'est que... En Haïti, l'homme t'a fini fait philo, premier travail, moi, parce que j'étais déjà indécis en termes de qui ça peut m'étudier, qui côté m'a étudié, etc. Parce que, Gombagay, que m'a commencé à sentir, c'est que Gombagay qui était manqué dans le pays, en termes de formation. Vous comprenez? Dans le niveau, ça m'a dit, pourquoi t'es déplacé, mais quand même t'es assez informé, pour moi, Gombagay qui a peut-être mal dans l'université. Ok. Et donc, dans ce sens-là, je suis inscrit, qu'est-ce qu'il y a, je suis réussi, je ne suis pas monté votre prince. Et puis moi, là, je suis un grand indécis. Donc, première année, philo, mais après, je ne suis pas allé à l'université. Ok. Et qui soit tes faits? Et ma parole d'où, dans la période là, tu as gagné 4 VEH qui était besoin de monde, tu as commencé dans la radio parce que depuis dans la seconde et secondaire, moi j'ai commencé dans la communication. Donc, je t'appelais toutes les livres. J'ai une formation, mais ce n'est pas une formation qui est intéressante. C'est que je t'ai gagné lire un paquet de livres dans la communication, télécommunication, je lis les Jacobson, les Saussure, etc., théorie linguistique, pendant que je suis dans le secondaire. Ouais, ça veut dire qu'entre secondaire et philo, tout ça qui passait en bas même, de communication sociale, de linguistique, moi, lire. Donc, ça vient de m'en avance, parce que l'homme, il vient à l'université, parfois, il vient à parler de Mounzao, donc c'est juste, on révise pour moi, parce que me connaît déjà. Okay. Et il y a des possibilités dans l'époque-là, il n'y a lire ni en anglais, ni en français, et il n'y a qu'à comprendre mieux. Donc, ça veut dire que c'est pour moi que j'ai besoin de mon interpréter pour moi. J'ai qu'à rentrer dans le contenu pendant que j'étais dans le secondaire. Moi, m'appeler, j'ai déjà fait les lectures dans le niveau universitaire. Donc, qui fait que l'homme fini, j'ai commencé dans la radio. Ensuite, un jour comme ça, et directeur arrivé moi, c'est dit, oh, il y a un professeur qui allait, bah, biologie, est-ce que vous voulez enseigner biologie? C'est oui, pas de problème. Allez, donc, ça fait que j'ai commencé à enseigner. Là, je commençais à enseigner. Je me dis, écoutez, je ne peux pas arrêter avec formation philo, je ne peux pas enseigner à niveau rito philo, comme bien, en background. Et dans la période-là, Regina, en son temps, qui s'est démé, qui est dans la congrégation Sainte-Croix, était affiliation, ou bien pas même affiliation, même c'était l'école-là, même avec Notre-Dame College of New Hampshire. Donc, côté que, il était comme bail diplôme américain pendant que j'étais à Haïti. Okay. Donc, et c'est là qu'on peut faire baccalauréat en éducation et secondaire et baccalauréat en sciences générales. Et oui, baccalauréat en éducation, il y a un double majeur, capable de dire, et en éducation, et au secondaire, et sciences générales, physique, chimie, etc. Donc ça veut dire premier, et dans l'époque, ça me songeait. Puis, je me suis fait 5 ans, etc. Moi-même, je me suis pris pendant toute l'été. Je suis arrivé à finir. C'est pour les gens qui ont fini le programme dans 4 ans. Ok, programme ça, vous faites pendant que au cap, mais on peut être parti pour aller. Non, je ne peux pas être parti. Je me suis voyagé quand même dans l'époque là, les années 97. Ok. Ce sont des cours, ça a été relé à une certaine époque avant de venir gagner un bagage et ça a été cours en ligne et c'est par correspondance côté au moins une enveloppe baou et puis qui gagne tout cours là. Est-ce que c'est ça? Non, professeur, t'es convenu à Haïti. Professeur, t'es convenu à Haïti et t'es quelques rares professeurs en Haïti qui t'es enseigné, ça a été gagné niveau pour ça parce qu'au moins ça pourrait être une maîtrise ou bien un doctorat dans la période là pour t'enseigner. Là, okay. Je pense que c'est comme ça toujours et tout. Okay. Donc, c'est des professeurs avec maîtrise et doctorat, donc qui parfois, tu es quelqu'un pour après, par exemple, les Jadot, les. Donc, et, bon, il y a quelques noms là, je ne vais pas citer tout et etc. Pour que nous soyons capables de comprendre bien, il y a un détail que je vais demander. Et c'est comme si Notre-Dame, Collège Notre-Dame au Cap, là, il est lié avec Collège Notre-Dame qui est aux États-Unis, qui est New Hampshire. Et puis là,
et permettre que gain des échanges et au niveau et éducatif qui fait et entre élèves et professeurs qui permettent que tu aies fait baccalauréat en sciences générales là et baccalauréat en éducation au secondaire là, c'est ça. On nous dit le collège régional, ce n'est pas parce qu'il est différent de collège entre d'amour. Ok. Et là, c'est quoi, mais il y a un qui est enseigné garçon avec Péo, il y a un qui met avec fille. Ok. Alors, côté OTA, même, c'est côté que tu es un garçon. Le collège, non. Moi, j'ai enseigné côté que tu es un garçon, moi, j'ai fait 400 côté que tu es un garçon, même, tu prends et tu université avec côté qui est une dame. Ok, d'accord. C'est clair maintenant. Avec les meilleurs, sur l'initiative que les meilleurs tu prends, donc, qui permet que. Et professeur te compte sorti à l'étranger et vini. Ok. Et là, nous finis, nous avons droit à un diplôme américain. Ok. Un bachelor. Ok. Vous comprenez? Donc, c'était ça la beauté de la chose parce que nous avons payé en good. Dans la période, la communauté qu'on paye, par exemple, par contre, 30 dollars sur 50 good, il y a un crédit. Ça veut dire? Wow. Et nous avons payé un crédit sur 50 good, ça veut dire que nous capable de dire qu'il y a un coût de 3 crédits. 45 heures, le cas c'est côté nous à peu près 100 dollars haïtiens. 100 dollars haïtiens, à l'époque. Pendant ce temps, nous avons un diplôme américain dans nous. Donc, nous ne pas quoi que. Il n'y a pas de nous qui ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'avant que tu as voyagé, ils comprennent le niveau. Ok. Parce que c'était plus gros bagage que nous avons trouvé, c'était plus gros ben que nous avons trouvé, arrivé étudiant en cours des diplômes américains. Et tout, remercier et ce 5 croyants chaque jour pour ça, parce que nous avons bénéficié vraiment. Non, ça c'est du job aujourd'hui pour nous valoriser, on a mis tant qu'à fois, parce qu'ils font bon travail, côté que capable ban nous et ou même docteur Batelmi Jodia qui un rôle modèle et pour moun au Capio pour haïtien en général qui en Haïti et à travers le monde. C'est quelque chose que nous capable apprécier. Ça c'est commencement. Et puis qu'on y a là et ou gagne ou maîtrise ou gagne 17 ans et dans Manitoba ou gagne la ban nous et beaucoup plus détails de déplacement. Oui. Bon, après étude moi-même qui fait s'embrêler yon ska à l'États-Unis, vous comprenez? Et pour me chercher des bails, donc pour moi, dans ma matière d'études, etc., qui côté me décaler tout. Et parce que tout, me suis dans un pays après yon pente, ouais. Et dans le pays comme ça, me senti que le pays après l'autre côté, que je ne pas trop aimé. Ouais, parce que je n'ai pas des signaux clairs que mon côté n'a pas allé. Ok. Et ça, c'est ça qui motive ma vie là, et tout. Et là, ça qui vient, c'est un ancien professeur, moi. Donc, c'est professeur dans FIRA, Faculté d'Éducation Originale à Sonta, quand je me fais bachelor là. Qui est, je me dis, évite, je me dis, mettez nom, il y a comme besoin de professeur, etc. Et ça qui vient, moi, mettez nom, et il y a l'heure, je me dis, arrivé mon interview à distance. Et le ça, nous embauché comme le prof Canada. Et l'école là, c'est tout bagaille, vous comprenez, pour capable de remplir le papier, etc. Bon, un visa travail qui permet que nous voyager, nous venir au Canada. Et moi, depuis le ça, tout, je m'entraîne à ça, et puis dans le matin, je suis dans la salle de classe. Et salle de classe, ça, c'est côté n'a pas les jeudi, c'est dans Manitoba, c'est côté là où il y a la Kounia. Manitoba, c'est ça, Winnipeg, c'est ça. Alors, c'est que, question que je vais poser, et gagner ça relé intelligence, gagner connaissance, gagner opportunité. Et dans la façon que vous parlez, moi, j'ai les trois et qui rentrent là-dedans. Et comment on fait? Parce que gagner opportunité, gagner préparation, et pour les jeunes qui attendent qu'on y a, pour cheminement que vous faites pour j'en faire, qui meilleure marche à suivre, l'orgue trio ça, ou gagne intelligence, non? Ok? Ou gagne opportunité, gagne discipline, non? Et comme qui meilleure démarche à partir de l'expérience pour que un jeune capitaine qui t'a aimé progresser et arriver tout, qui j'en pour le faire? Je pense que premier et bagarre là, c'est que tout soit fait au sérieux. Par exemple, moi, j'ai une marque de commerce. Je parle avec n'importe qui, il a dit, oh, monsieur, et puis l'aime tout ça, c'est parce qu'il y a même des étrangers qui ont un pays mal demandé pour moi. Elle fait tirer tête sur moi. Et, ou bien l'autre monde que j'ai gagné, qu'on dit si, pas ses amis, etc., ses amis, whatever. Donc, marque de commerce, c'est que je prends affaire au sérieux.
Map de commerce, moi, c'est que je ne suis pas dans le bail menti. Map de commerce, moi, c'est que je dis ça en pensant tout respect. Map de commerce, moi, c'est respect. Map de commerce, moi, c'est apathie. Je parle de son monde sans parler de mon affaire. Ok. Map de commerce, moi, c'est que si je dis oui, même si je ne pas garder, je ne pas de contrôle sur ça, je fais sans je faire. Map de commerce, moi, c'est que je ne pas choisir une affaire où les mondes virer à gauche, à droite. C'est que moins bâti et capable de dire moins bâti que moins une façon pour me capable réussir et le où fait ça parce que nous on a parlé de chance mais en fait chance c'est une combinaison et on pas que monde capable de miracle mais miracle pas arriver comme ça et en fait moi-même bon théorie sur miracle pas même exister même miracle là c'est le processus qu'on pas connaît les passer ou pas même au courant et au vivre et miracle là c'est des processus parallèles là fait ça pour faire yo il y a le processus qu'on déclenche qu'on pas rendre compte qu'on déclenche parce que ouais et qui commencer à qui travaille parallèlement et puis le déboucher le fait qu'on pas qu'on est malade là le déboucher aurait le miracle mais pas de miracle parce qu'il était toujours là okay. Et vous pas conscient que le t'as fait. Ça veut dire premier partie de master c'est d'être sérieux et rester focus et kembe mou. Et puis rester dans le niveau de discipline parce que y en a qui vivent le jeune ou des possibilités tout parce que mon paquet intelligence qui gaspille nous connaît pile. Il n'est pas suffisant pour des facilités pour apprendre mais c'est kembe il n'est pas suffisant pour des aptitudes. Moi je pense que quelqu'un de A nous suppose gagner l'aptitude et aptitudes et une attitude. Ok. Et parfois, il y a des aptitudes, mais il n'y a pas de attitude. Ok. Et l'attitude est très importante parce que je pense que c'est lui-même qui permet de valoriser ce qu'on est. C'est lui qui permet de prendre pour sérieux parce qu'il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de diplômes. Mais si dans la relation, mon avec mon, si dans la façon de fonctionner, ou pas qu'il y a des mots, etc., il n'y a pas de prendre trop au sérieux. Ok, dans ce cas, pour jeunes qui attendent nous là, pour être capable de commencer à ranger quoi, premier bagage que vous êtes capable de dire, les vous gagnez aptitude, faut vous gagnez attitude, et qui ça qui est important dans l'attitude, qui que vous êtes capable d'appliquer, ou bien chercher à gagner, pour être capable pour ça aider. Oui, moi déjà un petit peu, je parle de empathie. Quand même, faut apprendre à aimer les gens et faut apprendre tout par peur. Moi-même, tout dans le cheminement de tout ça, moi fais un peu le route pour les gens. Donc, notre famille et amis, dans 10 ans au Canada, mène 13 à 14 ans au Canada. Ok. Où est-ce que tu là? Des amis et tout. Entre période ça. Roman? Donc, ça veut dire que on crée route pour le monde. Ça veut dire, dans le sens que c'est tout ce qu'on fait pour le monde, pour aider, que son maîtrise doit faire, ou coller nos cours, ou penser que je peux aider, moi aider. Moi aider parce que quoi? Que son propre gars qui exige, qui m'a donné, qui j'ai pour ta équipe, moi aider, moi coacher, moi coacher tout le monde. Et ça, que c'est haïtien, et c'est étranger. Comprenez? Donc, on va faire différence. Depuis que moi qui vient vers côté, il m'a donné une aide, je viens me faire le moins pour lui. Okay. Donc, je pense que ça tout fait partie de créer opportunité en tout. Ça veut dire, si vous jouez en pile de la nature, si vous jouez en pile de bagages, il faut bailler en pile tout. Okay. Et mettez-moi en condition tout pour me capable de bailler en pile parce que je me vois en pile, parce que ce n'est pas tous les jours que vous jouez en possibilité pour venir et travailler au Canada avec les papiers en main. On va en sortir sans besoin. Ok. C'est que, on aborde des points ça au Canada plus que 17 ans. Côté on a Manitoba, c'est pas pays où. Et l'arrivée dans un pays comme ça, ou pas besoin d'un pile monde qui semblait avec vous. Et dans ce sens, il y a des gens qui doivent regarder, c'est on est qui sont en Haïti, ou dans un pays sous-développé et tout ça. Est-ce que réception dans le temps monde ça, et qui j'en lié, qui j'en taillé ou bien qui j'en lié? En fait, je parle de ça encore, et là où ils vont côté que nous ne parlons pas, il faut bâtir réputation. C'est ça lié. Et dès le premier temps, le rivé, et ma bon quelques anecdotes, et je ne vais pas citer non, parce que vous comprenez pourquoi. Non, c'est important, pas obligé, mais il y a des bagages que moun kap, qui a inspiré moun kap tande nous, au moins, ça va permettre que changer et yo chep façon de réagir en anglais. Exactement.
Exactement, exactement. Bon, et là, moi, j'ai premier bar que j'ai gagné, bon, parmi des confrères. D'ailleurs, j'ai dans un village, côté qui était à peu près trois noirs. J'ai gagné une dame, j'ai gagné un père, et avec moi-même. Non, village qui était gagné à peu près, dans la période là, 1200 habitants. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui. Tout le monde connaît qui est ce qui est noir là. Vous comprenez? Et donc, nous étions très au coup. Alors, ça qui vient arriver, c'est une communauté très, très curieux. Hein? Côté, tu vois, c'est Canada Abdou. Oh, est-ce que il y a un ordinateur à Haïti? Wow. Ou est-ce que. Est-ce qu'il y a un ordinateur à Haïti? Bah, ça, on connaît. Qui compte apprendre? Donc, bon, on est obligé de faire lumière pour eux parce que nous avons chance à la vérité moi-même à Haïti pour la période là, encore tant qu'on dit, quand même, je pensais que dans la marge là, parce que dans la période là, nous avons un laptop, nous avons un ordinateur. Dans la période ça, ça veut dire que nous avons Haïti avec Baïsao, nous parlons des années 96, 97, 98. Donc, ça veut dire que c'était un plaisir pour moi, pour me capable de travailler, de me mettre comme le privé, de m'obliger parfois. Nous avons pression sur moi. Pression, c'est que faut me prouver d'être moi. Donc là, ça, imaginons, mon professeur, en même temps, on va aider des professeurs, aider l'autre. Non seulement on va enseigner, on va aider l'autre monde tout, qui a des problèmes avec l'ordinateur, etc. Nous avons presque à faire deux jobs en même temps. Voilà. Mais ça prenait ça pour, vous comprenez? Pour être capable de faire connaître qui est signé, pour être capable de faire connaître qui ça me fait faire, donc pour bâtir réputation. Et réputation était tellement bâtie, t'es un confrère, en fait, il y a des difficultés pour t'entendre avec l'autre monde. Et pour des raisons, parce qu'il y a certaines prétentions. Vous comprenez, c'est mon d'origine belge, et puis qui pensait que lui, il est plus intelligent que l'autre, il connaît pas l'autre. Et Gaulle, mon petit gars est passé, et. T'es gon imprimante dans le bureau et tout le monde devrait imprimer à distance. Ouais. Et monsieur dit ça va qu'à faire. Parce que c'est comme fait technique. Et puis l'homme paraît, et directeur m'a dit, directeur, ça qu'à faire. Et même si c'est pris, il fait ça dans 10 minutes. Ma palo de. Vous voyez qui a ma palo là, vous comprenez? Et début de 2002. Et rapidement, monsieur de Gonjan fâché, mais il est déçu, mais il n'est pas attaqué de nous. Son jour comme ça, on l'a, on samedi, moi, monsieur Paret, dans le côté de M. monsieur qui était Winnipeg, monsieur vient dans le village de M. monsieur dit, mon cher, comment ça passe? Il faut nous mettre ensemble parce que moi, on sait des bagages qu'on connaît, on nous mettait nous ensemble. Wow. Ouais. Et ça fait frapper ma pile parce que je pensais que c'est ça que nous n'avons pas gagné comme haïtiens. Nous ne pas voulons reconnaître ce qui est la caille au monde qui est intéressant pour nous mettre avec elle, au lieu de ça, nous plutôt frapper le pito. Et puis ça, c'est culture même. C'est culture liée. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Et puis, quand on vient dire, oh non, pas télé, ou bien stéréotype dans le tête, ou soit haïtien. Mais c'est ça, me vive moi-même, parce que là. Premier bagage là, c'est accepter sa faiblesse ou, et accepter sa point fort, l'autre là, et mettre ensemble avec elle, côté deux forts, et nous avons une plus fort, j'en veux dire. C'est ça pour nous créer une synergie. C'est ça même dans la physique, nous avons une synergie. C'est que vous mettez des bagages ensemble qui créent un système qui est plus grand parce que chaque monde qui est dans ce système-là. Vous voyez ce que je veux dire là? Quand vous dites que 1 plus 1 va être plus que 2. Ouais? Parce que vous créez une combinaison de talent et de capital humain pour être capable de faire des bagages. Et c'est ça que le Sam se fait frapper. Et puis, depuis là, tout, nous venons amis, nous sommes invités à la Cali, puis c'était que nous fait programmation, etc., informatique, moi accompagné, etc. Nous venons amis. Et tout le monde se fait saisir, dit, mon cher, qui ont fait chance comme ça? Parce que c'est le premier monde, mes amis. Je ne suis pas comme amis, monde. Wow. Donc, nous ne comprenons pas ce qu'ils ont fait, monsieur Zamir, et surtout sur l'étranger, excusez-moi. Tout le monde, c'est caucasien, c'est blanc, est-ce qu'on va dans les ça, c'est pour retourner avec point côté fait avant. C'est. Exactement. Aptitude et attitude de Ayo, important. De Ayo, oui, oui. Et ça fait que, moi là, moi, me fait être moi en nom, d'un point que, l'homme vient pas là encore, t'es grand pays, c'est que besoin de job dans ce domaine, c'est beau, il y a ce job là. C'est ça parle de pile par l'empile et on dit est-ce qu'on connaît un tel mais ça a été fait il n'y a pas un qui pense que c'est petit parce qu'il apprend des bagailles il se prête de le faire apprendre. Ouais.
Nous développons une réputation tellement comme ça que l'homme qui a fait l'école haïtienne sans frontières, il y a un ancien étudiant qui est un entrepreneur qui t'a aidé financièrement, même si c'est pas chambre qui était payé à Haïti. Wow. Est-ce que vous avez là? Est-ce que toute histoire? Ce qui veut dire que ça va conseiller jeunes, yo capitaine de nous, quel que soit côté yo yé, il faut que comportement yo exemplaire, il faut que yo accepte négocier avec un monde qui compte plus passer yo et rencontrer deux sacs bons pour faire sac pi bon et ça cap permettre que yo fait ça les différences dans monde ou bien dans quartier ou bien dans pays côté que y a vivre là. Exactement, parce que bon proverbe qui dit ou seul, ou ka aller plus vite, mais ensemble, ou ka aller plus loin. Eh bien, dans la question aller plus loin, ça, 17 ans d'expérience, et même plus, dans le pays étranger, et dans le pays la kayo tout. Ou vini avec sa rele Haitian School, Without Borders, l'école haïtienne, sans frontières. Qui côté ça a sorti, idée ça, et pour qui soit offert? Ok, pendant que moi j'étais dans le village côté de vous comprenez, à enseigner, ouais, et Winnipeg, après ça, je suis venu dans le village, je suis venu dans Winnipeg exactement, moi accumulé une série de skills dans la technologie, ouais, qui était poussé dans le côté forum. Donc depuis les années 98, non, et bon, non, pas 98, mais en 2004-2005, nous avons commencé à faire site internet. Ouais. Ok. Nous avons fait site internet. Nous avons mis des forums en ligne. Dans la période là, on ne peut pas dire comme si on s'en remet en LMS, ça veut dire Learning Management System. Côté que tout le monde a des forums, des devoirs, des contenus, des questionnaires, etc. Pas bien tout ça. Donc, là, il y a des forums qui apparaissent. Nous sommes dans la période là, nous avons des forums, nous avons des web servers, nous avons monté, etc. Foncé du travail. Donc, vers, on a toujours gagné, ils ont l'idée, ils ont dit, bon, écoutez, tout le monde qu'on a, il faut mettre au service de ces Haïtiens. Et parce que, ça me comprend, c'est que Haïtiens assez intelligent, assez débrouillard, mais il faut balayer, faut exposer la bagaille. Même si il y a intelligence, c'est pas un exposé. Exemple, il y a des bagailles que je connais et je suis sûr de ça, c'est parce que nous avons une université qui est plus ou moins une université étrangère, côté que il y a des étrangers qui vendent des bagailles standards. Et que moi-même, je n'ai pas à disposition tout. Chaque fois qu'on vient, je bats l'argent, je m'achète des livres, je me forme peut-être moi qui fait que l'éducation standard. Les standards, ça veut dire que je n'ai pas de côté avec lui, montrer ça me connaît, un bagaille limite. Ça veut dire, il y a l'autre bagaille encore côté capable de conseiller jeunes. Pas seulement rester sous ça ba ou dans l'école koto yé a et gen internet gen librairie depuis gen moyen ka fè nou livre connaissance pas perdu l'île apprendre de li ça ka permettre que ou prépare tête tout les opportunités arrivé ou déjà censé gon minimum de préparation pour li. Est-ce que c'est ça? Exactement, c'est tellement vrai que moi-même, le, par exemple, m'a quitté Haïti, m'a quitté là à peu près au moins avec 300 livres, bibliothèquement. Au moins, il aime tout ça de mathématiques à économie, à philosophie, à littérature, à tout ce qu'on a, à physique, etc., et biologie que nous avons passé. Et c'est des bagages qui étaient tellement courants que, bon, le, et toujours apprécié que ça, que dans la salle de classe, dans la maîtrise, moi, ma beaucoup dans la psychologie du développement, vous comprenez? Mais Damlan lui-même, lui qui est professeur lui-même, lui n'est pas un bagage dans la biologie, c'est psychologue lié. Et un bagage lui dit sous passation et génétique, ouais. Et puis, il m'a dit, douter de son dial, même si c'est le noir là, il y a à peu près 7 blancs dans la classe. Comme on est dans la classe de maîtrise, on va gâter le monde. Après ça, oh, tout le monde garde, mais tout le monde garde, qui sont, ils comprennent, ils peuvent bien questionner ça, ça y a bas. Et, je ne pas finir, non, parce que je me dis, si je dis ça, c'est que moi, je fais à peu près 5 ans en Haïti, à penser, c'est que je suis là, il est vieux menti. Je me dis, ah, bagay, je vais regarder, je vais aller checker chef de département en biologie, etc. Je me dis, ok, pas de problème. Alors, donc, jeudi prochain, nous tournons, pourquoi? Et les nous tournons dans quoi, les vignes avec trois livres, et y'en a un livre, son livre que je devais gagner à Haïti, parce que, professeur qui fait biologie pour moi, c'est un québécoise, il demandait d'acheter le livre pour moi, il était dans l'âge pour ça, dans la période là. Donc, j'ai une personne d'acheter le livre à peu près $150 canadiens.
Et puis, qu'on est là, me dit, il dit, oh, et où t'es bien raison, oui, bah, ça y est, et que, m'a allé au chef du département de biologie, au contraire, mais ça, il lui a dit, où t'es bien raison. Je me dis, oui, madame, qu'on aime, t'es bien raison, parce que ça fait qu'un conflit cognitif, là, quand même, le fait qu'on dit ça, parce que c'est pas ça, m'a enseigné, et me pensais que m'était bien comprendre, bah, là. Donc, c'est, ça fait que m'était besoin qu'on clarifie, etc. Et puis, bon, ça t'est fini, là. Mais, écoutez, c'est que, c'est pas parce que, aujourd'hui, ah, ça peut être intéressant toujours parce qu'il y a accès à Internet, c'est ça, pour nous rejoindre, nous. Ça veut dire que, au lieu que je n'ai pas du temps dans Facebook, hein, dans fait un peu dans Facebook, vous comprenez, de montrer les plats spaghetti dans Facebook, dans tout du là dans Facebook, l'idée qu'à mettre comme ça pour apprendre un pile bagaille. L'idée qu'à mettre comme ça, et c'est une raison, tout, parce que je ne parle pas de compte de temps qu'il a perdu. Pour bâtir une qualité savoir et pour retirer tête comme haïtien kotoya, parce que bon bagage que et professeur Maniga te dit et qui jouait contre nous. OK? Et jusqu'à présent la poursuivons parce que chaque fois il ouvre bon poste d'autorité, mon nom ou une nouvelle cap sorti Haïti de sa Haïti a fait, de qui Haïti a dirigé, li détenir surtout, li rejoindre nous kotoya. OK. Chaque fois que étranger a joué sur lui, il n'a pas joué sur lui. Que, oh, mais pays où là? Mais si Haïti était caché comme ça, pour qu'ils soient un bon pays, pour qu'ils aient mangé quatre, il y a l'argent là-dedans, il faut pas que d'abjis là-dedans, vous comprenez? Il y a marché sous la boue, il n'y a pas comprendre, il y a marché sous fatra, il n'y a pas comprendre, mouche dans le jeu, il n'y a pas comprendre. Et ça, c'est un peu là. Ça veut dire que chaque fois que Haïti a présenté une image ça, il y a tout le monde qui est dans la diaspora, qui a fait son effort pour arriver parce que, depuis, il y a qu'à bloquer avec ça, bloquer ou avec. Depuis, il n'y a qu'à bloquer. Parce que les critères sont tellement clairs. Mais chaque fois qu'on a une zone grise pour faire une décision, aller pour vous, il y a bloqué ou là-dedans. Eh bien, m'apprête un petit moment, mais c'est peut-être pour nous ne pas perdre du fil, pour nous ne pas retourner dans l'école sans frontières. Là. Et idée qui derrière lui, et est-ce que gen qui gens pour un monde capable de participer, et combien d'élèves peut-être qui graduent dans le programme ça déjà? Ok, on nous retourner là-dedans. Donc, dans ce sens, le mouin qui s'amène à bail en fonction de l'opportunité que nous avons, 2011, après tremblement de terre, là, nous lançons l'école haïtienne sans frontières. Qui est objectif? Ce n'est pas une école traditionnelle ni conventionnelle. Ce que nous avons fait là-dedans, et ça nous fait là-dedans, c'est que nous prenons des contenus, nous, la période là, en fait, et actuellement capable de ça et le ministre d'éducation actuel et Pierre-Joseph Agino Cadet dans la période de ça nous qu'on est au problème nous dans la relation nous demandez monsieur vous écoutez couleur mais pour moi monsieur vous écoutez couleur haïtien au bas vous comprenez monsieur vous écoutez couleur là bas moins checker avec des monde qui des universitaires qui ici a parce que dans milieu universitaire là nous connus nous avons pas quelques amis là-dedans et ça veut dire fait pour moi l'envoyer bah ils ont développé des contenus en fonction du curriculum haïtien donc ça veut dire pas comme si un programme canadien qui est posé sur Haïti c'est même curriculum haïtien ça tombe dans la sous apprendre mais au mieux moderniser. Bon, nous, premièrement, nous vérifions le contenu, parce que monsieur, ça aussi, c'est des spécialistes du contenu qui ont, ça veut dire que c'est des mondes qui gagnent doctorat en chimie et maîtrise de littérature anglaise. Est-ce que ça veut dire là? C'est vraiment doctorat en mathématiques. Donc, ça veut dire que c'est des mondes vraiment qui, déjà, ont, le contenu est là. Mais il n'y a pas nécessairement pédagogue. Donc, moi, je prends le contenu ça que vous avez, je prends le curriculum haïtien, vous voyez, le contenu que vous avez, je prends le module, moi-même, de manière pédagogique, je mets de manière séquentielle sous cycle, et qui permet que le petit monde haïtien qu'on a là soit le gars de chimie organique. Donc, c'est pour chimie organique, peut-être que le professeur là, il n'a pas de pour chimie organique universitaire, est-ce que là? Est-ce qu'il a procédé seulement avec à qui qu'il y a? Peut-être que l'étrier limité dans la matière là, peut-être que pas à l'école parce qu'il y a une grève, est-ce que ouais, pour toutes sortes de raisons ça y a, c'est une possibilité lui-même pour aller là-dedans, pour être capable de faire cours là. Donc ça veut dire que nous pas nécessairement dans le grade du tout le monde, mais nous mettons des contenus de qualité pour tout le monde dans toute l'école. Ok. C'est gratuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de payer, de paraître. Il est inscrit là-dedans et il a accès à contenu. Ok, là on dit que les gratuits, c'est des cours et en ligne que n'importe qui peut enregistrer sur ce site-là, ou venir nos élèves et puis il y a des cours qui sont disponibles pour apprendre les leaders d'où jongler sans qu'on ne paye pas payer un dollar, un goud. Sans pas payer, il y a un goud.
Ça, c'était l'initiative École Haïtienne Sans Frontières. Il n'y a pas d'université Haïtienne Sans Frontières, mais c'est l'initiative École Haïtienne Sans Frontières là-là, où ils sont disponibles. Si mon arrivé, il dit, ah, you know what, parce que par exemple là, nous t'es commencé dans le programme secondaire 1, parce que dans l'époque là, t'as changé secondaire là. Secondaire 1, 2, 3, 4, ou les secondaires au philo, vous songez ça, comme secondaire au philo. Donc, nous avons bâti, par exemple, les 4 niveaux d'anglais qu'ils ont besoin. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. Si mon ça, par exemple, qui a fait, mon t'es fait quoi anglais, t'es fait quoi anglais pour moi en Haïti, mais qui t'a été surtout dans le niveau grammaire, qui pas bon occasion pour parler, pour écrire, pour bail. Donc, ça nous fait, nous bons spécialistes, l'anglais langue seconde, dans les petits soldats, et qui ont maîtrise, qui ont master, et qui, c'est des bénévoles, en fait. Je ne peux pas dire que c'est payé, c'est des bénévoles. Les gens qui mettent les soldats, qui parlent aussi en haïtien, il y en a aussi anglais, il y en a aussi canadien, il y en a aussi, etc. Donc, ils mettent, ils vont me continuer, me mettre, et qu'on y a un monde au calé, ou inscrit, ou suivre pour ça. Ça veut dire que même si le professeur en Haïti, il y a une faiblesse, même si couleur notre faiblesse, mais nous-mêmes nous augmenter, nous enrichir. Nous mettons le niveau côté que l'on suivit ou qu'on anglais parce que ou fait exercice écoute, ou parler, ou tendre, ou écrit. Et tant un petit moment là, et faut nous prendre une pause commerciale, et puis nous retourner tout à l'heure avant, et pour nous bailler plus de détails, et sous et l'école en ligne, non? Parce qu'on parlait de baccalauréat, et gen moun qui gen droit, ti moun qui assez avancé au niveau, et électronique qui gagne, et un téléphone intelligent dans main, que parents le bali, ou bien qui gon tablette, qui t'a même commencé dans ABCD. Est-ce que ça est disponible tout? Mais après pause commerciale là, on a retourné pour être capable de nos réponses. Pour ça, on a appelé tout le monde sous besoin acheter un caï ou besoin refinancer un caï. Un seul monde pour aller, c'est Sergo Douillon de pour aller loi tout bon. L'a fait travail là au bouillon et puis l'a mettre au propre pour. Sous parer les Sergo, yo dou ko pas qualifié, eh bien là ça c'est au même qui responsable parce qu'on pas fait travail là au bouillon. Pour Sergo mettez le propre. C'est Sergo Douillon pour aller dans 561-445-0554. Sergo Douillon, c'est un mortgage broker qui gagne connaissance et non seulement connaissance que le gagne, lui mette connaissance dans la tête ou tout, lui clarifie tout bagaille. Il faut comprendre son pas de comprendre qui fait ôter pour un coup avant. Eh bien, la peut éviter qu'on prenne mauvais coup. Alors, si vous voulez faire un bon coup, ou bien relez Sergo Douillon. Sergo Douillon, c'est 561-445-0554. Ndou ça. Sergo Douillon, li fait travail là. Au bouillon, et quoi me souvle, quel que soit comme qu'on a cherché, qualification, qu'on gagne pour acheter ton caille, que pour pas perdre du yabdo, combien comme, et qu'on capable de joindre pour caille là, ça dépend de qui zone, qui caille qu'on a besoin. Eh bien, Sergo Douillon a travaillé avec vous, là, faut comprendre qu'on capable de faire, et sous pas qu'à faire l'abdou tout, pas qu'à faire tout, parce que son entrave là, pied pour. Eh bien, Sergo a retiré tout entrave pour vous. Eh bien, relez le kounia sous besoin. Refinancer, achetez ton caille, fait des emprunts, ça relez ou loan. Mon hypothèque, relève Kounia dans 561-445-0554. Et puis, show à tout, les patronnés par l'école publique, Mami Ded, ou même qui besoin apprendre nos métiers. Numéro central office là, c'est 305-558-8000, quel que soit métier que dans tête. Non pas moi, c'est Marc Lubin. Invitez-nous aujourd'hui. C'est Docteur Barthélemy Bolivar, l'école sans frontières en ligne, que le gain pour permettre que tout haïtien capable de prendre coup et de tête, mettre connaissance, les opportunités arrivées, ou pas de problème pour tout prendre, mettre mon souli. Pas qu'on question de chance, tant qu'on le dit, c'est ou préparer, et puis le paraître devant, ou tout là. Eh bien, c'est lui-même que nous gagnons comme invité. Son rôle modèle. T'as quoi me dit? Nous même dans bitan kafoua, nous pas créer role model. Yo existé, n'a le chercher yo, nous valoriser yo, nous mettre yo dans bitan kafoua. Yo partager vie privée yo partager vie professionnelle yo avec nous et ça a inspiré prendre de meilleures décisions ou même avec vie par pour venir bon citoyen, pour venir bon professionnel dans quel que soit son choisi pour faire. Ou capable de joindre nous sur YouTube bitan kafoua, remets nous sur Facebook, inscrit, abonné, subscribe dans YouTube channel que nous gagnons. Quel que soit prochain invité que nous gagnons, ou premier monde qui pour connaît ou pral tande. Information. Et gens moun nan partage ville avec vous. Nous chaque bon histoire, histoire nous tout ka inspiré ou l'autre et c'est ça que nous fait dans mitan kafoua. On ti pose commercial, n'a retourné tout à l'heure.
Eh bien, me rappelons qu'on a mis tant qu'à fois, invitez-nous, c'est Dr. Barthélemy Bolivar qui de Manitoba qui parle avec nous. Manitoba, c'est Canada que lui, monsieur qui a plus que 17 ans l'autre bois, comme enseignant. Monsieur travaille dans l'université et monsieur qui a un doctorat dans l'éducation, monsieur qui a un bachelier et monsieur son nègre qui est dans top 40, monde qui travaille dans la radio, tout. Dans Canada, monsieur prend prix pour ça. Avait dit que monsieur son monde, ça l'a fait, il connaît bien, il prépare tête, il continue à préparer tête beaucoup mieux pour le capable servir nous parce que le quoi, non, l'organe connaissance, non, sous pas séparé, c'est comme si que, ou pas rien, c'est comme ça que le penser que connaissance t'a doué, y est, et c'est ça qui fait que, il vient avec éducation sans frontières. Alors, c'est que ne t'es pas allé tout à l'heure, et docteur Bolivar nous parlait de et question baccalauréat moun ki nan reto philo, OK, mais niveau est-ce que le commencer plus bas que ça au Non, niveau classe qui en nous t'es lieu. visé, nous t'es visé, nous capable visé, puis son projet qui a continué, nous t'es visé, et normalement, deuxième cycle secondaire, là, ça veut dire à partir de troisième à philo, ou bien secondaire 1, 2, 3, 4, OK. plus ou moins. Donc, pour nous gagner, par exemple, et, nous pas gagner tout couillot, mais par exemple, nous avons un cours mis à niveau dans le français, ouais. Et pour ça, nous t'es gagné son cégep même. Dans le niveau Canada qui était fait nos cadeaux et puis nous mettons, vous comprenez? OK. Nous mettons sur ce site-là. Nous gagnons, par exemple, et chimie organique, on fait dans le niveau secondaire 4, dans le niveau philo. Nous gagnons 4 cours dans le niveau anglais, etc., etc. Nous avons à peu près une quinzaine de cours, vous comprenez? Dans plusieurs domaines. Nous gagnons chimie 1, chimie 2, ça veut dire qui. T'as quoi sur la chimie dans secondaire 1 et chimie dans secondaire 2. Nous gagnons histoire et capable de dire secondaire 3, 4, etc. Donc c'est ça. Nous gagnons pas mal de cours Et qui site là pour moun ki attendez yo qui sou qui savent yo aller et dans Google pour capable joindre? C'est école haïtienne sans frontières.org. École haïtienne sans frontières.org. Et puis à droite là, cliquez au côté puis rentrez dans le cours. Et puis à partir de ça, il y a créé un compte. Et puis avec compte là, après souvent un email pour valider, discuter eux-mêmes. Et puis on a cours. C'est pas pour nous qu'on fait ça. Et t'as quoi dit, est-ce que gagner un frais pour ça? Non, 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 pas aucun frais. Nous quittons le gratis parce que c'est objectif à ça. OK. Mais il y a quelqu'un qui peut aller prendre un cours. L'objectif là, c'était, et n'a pas dit ça, oui, c'était de démocratiser l'enseignement de qualité au niveau secondaire. Ça veut dire que, ça nous vient comprendre. Nous vient comprendre que, et le paquet, il y a à peu près, plus fort l'école dans le pays, et c'est clair. Il ne pas répondre à critères de qualité. Et même ça qui t'a supposé répondre à critères de qualité, il y a une limite vu le système là. Ouais, ça veut dire non? Ça veut dire que même si vous voulez faire une bonne école en Haïti, mais il faut un jeune monde qui a enseigné pour eux. Même si vous voulez un jeune monde qui a enseigné pour eux, pour que vous puissiez répondre à des critères comme si l'homme de ça, par exemple, si vous voulez mettre un laboratoire qui va mettre. Ouais, ça veut dire que le système est limité ou non, c'est du bagage. Vous comprenez? Donc, nous-mêmes, ça nous fait. Nous créons un système un petit peu parallèle pour backup. Nous ne pouvons pas remplacer le système qui est là. OK. Parce que nous ne pouvons pas faire l'école, tout. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas remplacer l'école qui est là, qui a fait sa feuille. Nous disons ça, nous mettons un bagage à côté pour tout élève, pour tout parent qui manquait satisfait, qui voulait un bagage, il n'y a qu'à le mettre sous sa baille. Il n'y a qu'à l'améliorer. Donc, c'est vraiment ça. Et il est ouvert pour tout le monde. Alors, c'est comme si que ça aurait dans la CAENO, son l'école, son classe est particulière. Et côté que bon monde qui vient la caille paron qui vient bon petit coup mathématique un petit coup grammaire et puis permettre que vous compreniez les règles et grammaire bien comprendre les formules mathématiques yo, mais nous pas bail diplôme. Non, nous pas bail diplôme. OK. Pas bail diplôme. Vous comprenez? Pour le moment, ça veut dire que puis devant nous pas ca arriver dans ça non parce que qu'on a des technologies qui permettent de faire ça à distance. Comprendre? Mais nous pas arriver là-dedans et parce que tout nous gagne une initiative université haïtienne sans frontières là, ça n'a fait qu'on est là, c'est qu'on appelle allié de projet. Vous comprenez? Pour permettre que
nous avancer, nous prendre l'autre dimension. Exemple, il y a un débat que nous voulons faire pour l'école haïtienne sans frontières là, l'université a voulu faire, c'est réunir tout le monde pour nous parler de orientation professionnelle. Qu'est-ce qu'on suppose faire l'on finit classe de philo? Quelle opportunité bien? Qui job aujourd'hui a qui vraiment bon avenir? Qui job vraiment et dans quelques années qui pas qu'à exister encore avec son relais automation, avec son relais automatisation de tâches? Et pourquoi ce robot apprend en série de bagailles? Donc, ouais, ça veut dire que nous commençons à parler pour nous faire en sorte que deux projets yo, travaillent main en main. En fait, soutien que ce site-là, combien de monde en Haïti est-ce qu'on en mesure capable ou elle, et dit combien de monde en Haïti et qui participe là-dedans, et si il y a un manque de participation, est-ce qu'on peut expliquer moun yo, et qui raison par rapport avec l'autre site qui a à peu près semblé avec Paola, ok, pour qui ça c'est sous Paola plus pour y aller, et le plus important. Bon, et en fait, site là, c'est déjà à peu près 6 000 monde. Il y a des gens qui viennent pour tout le bagage, il y a des gens qui viennent en mathématiques, qui d'arrivent de module, ils finissent là. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas que de la continue. Il y a des gens qui viennent en demande. Vous comprenez selon besoin? Ok. Il y a besoin de bagage dans la chimie, il y a ah, ça sont bon module de chimie, ils prennent, etc. Ce que je suis capable de dire, mon, c'est que la différence qui est entre site ça et l'autre site internet, yo, sous notre niveau secondaire en Haïti, c'est que le fait pour Haïti. Quoi différence ça? Oui, nous allons suivre un cours mathématiques de votre côté dans Google, etc. Mais pas nécessairement focus sur ce qu'a fait en Haïti. Ok. Oui, nous allons suivre et j'aimerais dire ça. Un cours anglais de votre côté, mais pas nécessairement répondre à objectif pédagogique ministère de l'Éducation nationale. Ok. C'est là lui-même de répondre à eux. Mais de répondre à eux de manière moderne, de moderniser l'enseignement. C'est pas comme si sous tableau à bon bagaille. Il y a des bagailles, par exemple, dans le cours anglais, nous, il y a des articles, des vidéos qui parlent de Haïti qui l'a dans pour connaissance intégrée. Parce que, par exemple, si on connaît ça, on va pas prendre une nouvelle langue. Autant que contenu, ou déjà qu'on est contenu, on va prendre une bien. OK. Donc, ça veut dire que si contenu que ma bon là, c'est contenu en anglais sous réalité haïtienne, on va plus maîtriser anglais, que ma parle de train, ma parle de tramway, ma parle de bagaille, qu'on va jamais moins. OK. Comme sinon. Donc c'est là nous nous-mêmes nous intégrer. Ma base qui est plus intéressant une anecdote pour notre niveau que on prend ça au sérieux en termes de sangler yon approche culturelle de l'éducation en tant que telle. Approche intégrée. T'as gagné et professeur qui t'a permis de cours anglais pour moi hein, qui d'ailleurs nous a gobé plus en littérature anglaise et de l'université de Toronto. Ok. Et là nous vivons côté qu'on tâche pour nous mettre pour étudier yo qu'on le voit. Qui soit fait, qui soit probablement de travail. Et etc. Qu'on a, on a l'obligé de dire, qui travaille, que Timounet a commandé en Haïti, dans le niveau où il y a. Ok. Hein? Donc, on est obligé de parler de la réalité haïtienne pour construire le son sous ça. Ok. Ça veut dire que ce n'est pas l'éducation qui vient aliéner, mais c'est l'éducation qui est adaptée. Pour toi, vivre là, qui est adaptée, mais c'est d'ailleurs universel, de qualité. Ça veut dire que l'on connaît ou connaît, mais c'est une réalité pauvre. Oui, son besoin, oui, son interview, oui, son bagage, mais il faut nous bon interview dans un job qui existe beaucoup de yo, ou bien dans un produit qui a vendu beaucoup de yo, c'est de yo pour nous parler dans le cours là. On a parlé de supermarket. Oui, son besoin, nous avons juste parlé de bagage qu'on ne peut pas jamais. Vous comprenez, nous parlons de humus par exemple, vous comprenez? Parce que bagage humus en Haïti. Ok. Alors, c'est que. C'est la réalité haïtienne, ça. Oui, ok. Question que. Kounia là. Dapmando, est-ce que vous considérez tête tout et ou c'est un monde à succès? Et si oui, et comment on définit ça? Bon, moins privilégié et moins arrivé quand même, c'est difficile pour me mettre ensemble parce que je ne suis pas sorti de mon côté, je suis supposé. Je ne suis pas sorti que j'ai un impact et que je suis supposé. Quand tu as voulu gagner. Moi, je voulais gagner. Et pas que je voulais gagner, je ne suis pas encore well. Je travaille fort pour lui. Je travaille dur pour le cas fait. Et je parle de oui, qui ça succès à tailler pour moi. Mais qui ça succès à tailler pour moi. Nous sautons, c'est l'Université haïtienne sans frontières, bien sûr, qui est établie à Israël au Cap. Vous comprenez? Voilà. Et si un jour, moi, étudiant nous, à partir de la grande université, si un jour, moi, étudiant nous, à inventer des bagages, si un jour, moi, étudiant nous, commencer à construire en Haïti de l'autre façon, si un jour, moi, découvrir l'autre matériel
y a créé si un jour moi et yo arrivé et créer des business qui font différence dans société ya. Yo arrivé mettre ensemble, yo fait des bagages qui ont impact. Là m'a dit m'a commencé à respirer. Donc m'a dit bon Dieu merci parce que m'arrivé dans niveau ça. Moi c'est comme ça moi impact là. Moi parle en termes de moi-même. Oui, j'ai un diplôme, oui, très reconnu à travers le Canada dans certains systèmes etc. Et oui, mais autorité dans ces domaines, vous comprenez? Entre autres en poésie, est-ce que là? Oui. Autre en poésie. Et mais et réussite moins m'a pouel le moins. Et au connaît yon nan moto, ça dit yon nan leitmotiv que nous gagne dans créer université. Ça comme ça me dit, si gon Bill Gates en Haïti, moi besoin trouver, si gon Steve Jobs en Haïti, moi besoin trouver et me quoi que gagne. Est-ce que ça veut dire là? Donc ça veut dire que mettons plateforme pour permettre que y a ici qui vient talent, qui a rentré côté, qui a inventé, qui a créé, qui a vu mon supposé lié et travaille dans plein potentiel. Bien sûr, nous limiter parce que nous en Haïti, mais avec des partnerships que nous créons, partenariats que nous créons avec plusieurs universités, nous supposons qu'on a créé des plateformes d'excellence que nous voulons. Vous comprenez? Donc, nous créons tout un écosystème à travers le pays. Ça qui est bon Haïti, on apprend, et ça qui est bon côté nous capons. N'importe qui côté, de l'Europe à l'Afrique, de l'Afrique à l'Amérique, tout côté ça bien, il est intéressant, il y a intéressant. Fait, n'a essayé de plonger nous dans tout système ça, pour créer un écosystème d'excellence pour jeunes. Donc c'est là que nous sommes. Et là, moi, écosystème ça va le marché, par exemple, vous comprenez? Et si jeunes ont commencé, et jeunes nous gagnent Haïti, ou bien étudiants nous gagnent Haïti, a commencé carrément capable de frapper très bien avec un jeune qui est en Europe, un jeune qui a étudié en Floride ou bien n'importe côté lié. Donc là, nous commençons à voir parce qu'il y a un potentiel. C'est outils qui n'ont pas gagné, c'est opportunités qui n'ont pas gagné. Donc moi-même, je voulais créer opportunité pour les jeunes savoir et je me sens réussite là, le jeune est capable, le moins ça commence à faire. Et où est frère ou soeur, est-ce qu'il y a dans le même domaine avec vous? Il n'y a pas nécessairement dans le même domaine, il y a ça qui est dans la finance, il y a dans l'éducation, il y a deux dans l'éducation. Non, il n'y a pas nécessairement dans la santé. Et ils n'ont pas nécessairement dans le même domaine. Mais quand même, ils sont là avec moi, encouragés, on connaît ça. Donc, ils ont capé des dons pour encourager moi. Et vous avez parlé de petite tout à l'heure, à peu près qui l'âge, est-ce que vous suivez même route avec papa yo, et dans le domaine de l'éducation et puis servi la communauté yo, et est-ce que vous avez le même genre avec vous? Il y a pas gain l'âge pour ça, pour petit, mais gain 11 ans, deuxième langue gain à peu près, quatrième langue gain un an, gain des garçons seulement, petit garçon de fait. Et pour côté papa, qui comprend, qui gain 5 garçons. Donc, c'est une façon pour moi expliquer. Par contre, si mon nom est qui j'aime fonctionner, oui, c'est environnement balia. Et c'est pas ça du Simon qui est intéressant, non, c'est savoir faire qui est intéressant. Ok. Et c'est l'expérience qui permet de vivre là. Ça veut dire que, si on dit l'école importante, il veut que, on a l'école. Si on dit livre important, connaissance importante, il veut que papa applique. Donc, tout taille, c'est livre. On recherche montrer que, si on grandit dans le livre, qui est livre, il y a plus de chances pour rester dans le livre. Rester dans le livre, rester dans la connaissance, rester dans le savoir. Donc, ça veut dire que, c'est dans l'expérience ça. Et puis, deuxièmement, depuis au petit tout, où ça vous voulez faire, il y a un homme déjà qui est un bon philosophe, bon avocat, parce qu'il y a un argument pour tout le bagaille. Il y a un convaincu. Donc, c'est tout privé de la carrière de Simonin. Il y a, ouais, par exemple, son bon gymnaste, il y a une flexibilité dans l'école, il joue de musique bien, etc. Il y a un pianiste, donc il fait des barres parallèles avec lui. Et, contrairement à Haïti, tout, pas seulement il était comme si c'était académique, mais Simonin a fait tout le bagaille, il a excellé. Là, c'est que lui excellé dans la sphère. Peu importe ça le remet, vous comprenez, s'il veut faire mécanique, il n'y a pas besoin de faire seulement deux ans en mécanique pour un technicien. Pourquoi ça ne pas pousser plutôt pour aller vendre des pièces? Est-ce que ça me dit là? Hein? Pour par exemple, faire aéronautique, inventer des pièces pour avion, mettre patentes, mettre des brevets d'invention, etc., etc. Ça veut dire que si vous n'avez pas fait n'importe quoi, s'il veut un musicien, mais que là, il est très loin avec la musique, lui. Donc, ça veut dire que il n'est pas obligé de venir à l'académie, tant que moi qui remet comme si l'école qui n'a réflexion, etc. Donc, bien sûr, il y en a déjà qui vient dans ça. Mais, il y a par exemple moi qui est intéressé dans la musique et entrepreneuriat qui après investit bonheur parce qu'il remet l'argent, il remet et va te créer. Donc, il y a déjà à l'académie. Donc, ça veut dire que c'est une belle possibilité pour venir un grand entrepreneur. Ouais, ça me dit non. Et en même temps, tout.
bal. Parce que là, nous dit entrepreneur, il y a des gens qui pensent que l'entrepreneur, c'est juste mettre l'argent. Non, il faut mettre le cerveau là-dedans. Ça veut dire montrer le tout dans le niveau et capacité, et capable de dire dans la cognition, dans la, ça suppose gagner pour réfléchir, prendre bonne décision, pour l'argent, ça va mettre là, pour risque, pour risque calculer. Parce qu'on peut et gestion du risque, lors les vignons et un bon entrepreneur. Donc, je pense que c'est ça. L'essentiel, c'est bâtir mon environnement, quand on modèle les, quand on fait expérience, les faire certains voyages, les exposer, vous comprenez, à certaines expériences, à certains savoirs, et deuxièmement, tout, ça l'aiguette à vivre dans le monde là avec eux, parce que nous, tout vini pour un bagage, nous, chaque vini pour un bagage. Mm-hmm. Vous comprenez? C'est où est-ce que l'aiguette à gagner pour développer au maximum la qualité. Et je pense que ça important tout, parce que si dans le domaine que lui il y a talent pour lui, si dans le domaine que le remet, il y a bien plus de capacité pour exceller là-dedans. Mm-hmm. Donc c'est philosophie ça de élever tout le monde. Ok. Et avant que nous quittions aller, où prend un prix et entre 2005 et 2007 pour poésie, oui. Côté que où écrit oui. Manguier têtu. Et qui ça dans le livre poésie ça? Bon, exactement. Manguier têtu, c'est moi, t'as écrit depuis Haïti, depuis mes 16 ans, t'as écrit. Mm-hmm. Et ça que m'a pas dit où, c'est que Irène Garant, canadienne, ça qui t'a fait coupe moi dans l'université en Haïti, hein? Mm-hmm. Dans le cadre et université étrangère là, lui-même, lui a une maîtrise dans la littérature. Ok? Française. Donc, là, t'as écrit Haïti dans la période là, bien que lui-même a fait leur couvre moins sous dans l'éducation, leur salle a commencé la poésie, mais c'est pour eux qui dit oh, vous semblez avec Prévert, vous écrit un coup Prévert. Et ça, c'est un bel compliment à l'époque là pour moi, vous comprenez? Mm-hmm. Pour me capable de continuer à écrire. Et donc, quand il y a eu le Canada qu'on a là, moi, soumettre texte moi, à des éditeurs canadiens. Bon, il y a eu édité texte, on a gagné ça, et tout, l'on a édition, c'est que gagne toute une série de démarches. Et là, quand on se prend le livre là, on décide qu'on soit publié le livre. C'est pas comme ça fait. Parce que là, sauf le milieu à où connaît tout, livre après le critiqué et revu par les pairs. Ça veut dire le monde qui est dans le domaine là qui connaît tout. Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, on soumet le livre là, on garde, etc. Là, on garde, chaque année ici, on prie au bail à francophone pour le meilleur livre en français qui sorti dans le niveau littéraire. Parce que là, mm-hmm. Et dans la période de temps, on gagne le prix de la rue des Chambaux. Donc, côté l'écrivaine Gabriel Roy, vous comprenez, t'es vive, c'est une écrivaine qui est très codicia, qui devient plus féminin, vous pensez, dans les avisions, etc. Donc, je dis, bon, prière, c'est plus de 3 500 $, plus tout le bagage qui marche avec lui, les lettres recevoir du maire de la ville, vous comprenez, mm-hmm. Etc., de président d'université, beau université, yo. Donc, ça, c'était, moi, après 5 ans, vous comprenez, que moi, j'étais là pour me recevoir lui. Et en fait, il parlait de Haïti, il parlait de Angoisson, il parlait de bataille haïtienne vivre là dans la République dominicaine, il parlait de nature, il parlait de femmes haïtiennes. Vous comprenez? Donc, mm-hmm. C'est exactement ça que l'Ivla a touché et ça te fait un plaisir pour me gagner. Je me sens modéré parce que l'Ivla, c'est dans ton coup contre certains livres des mondes qui gagnent doctorat en littérature Sorbonne, la période là. Okay. C'est ça qui était contre l'Ivla. Ouais. Donc, ça veut dire que nous sommes très honorés pour le livre moyen qui est passé. D'ailleurs, mon tout, juriste, c'est des gens qui ont un doctorat en littérature, etc., des Québécois, des Français qui n'ont qui déterminent les prix. Mm-hmm. Mais c'est bon prix qui détermine comme ça, vous comprenez? Okay. Donc, c'est. Bon, écoutez, le passé là, l'œuvre vaut ce que l'œuvre vaut, vous comprenez? Mm-hmm. L'œuvre vaut ce que l'œuvre vaut. Donc, c'est ça, lui. Ok. On y a là, avant que nous allions vraiment, on a rappelé Mounio que l'école sans frontières qu'on gagne qui est en ligne, là, les gagne des cours d'anglais, de chimie, de biologie, de littérature française et des cours sous langage, mathématiques avec sciences, à peu près gagne 35 classes qui disponibles, côté yon moun gagne droit et apprendre beaucoup plus et de ça yon connaît. Et mettez plus sous ça, vous prenez l'école là, et c'est qu'en cours révision, et puis augmenter connaissance. C'est ça. Et l'autre bagaille, li pas fonctionner sans l'argent. Comment on fait pour kakabkembe ça online jusqu'à présent? Et actuellement, c'est un coup, il y a des bagailles que je paye directement sur carte de crédit. Hein? Moi, je paye ça. Dans le passé, dernier bagaille et levée de fonds était fait, c'était 2013. Côté des artistes qui jouent pour nous, etc. Ils font 1000 et quelques dollars. Donc, c'est Moukembel parce qu'il y a des amis proches
qui fait des cotisations avec moi. Même pas fait, pas aucun bagage officiel. Ouais, ça me dit, non? En termes de GoFundMe, etc. Par contre, toujours ouvert à n'importe qui qui font cotisation pour aider dans ça. On est bien content. Vous comprenez? Mm-hmm. Mais, Kembel, tant que participation moins, comme qui saute en poche moins, avec tant que nous avons 5 amis assez restreints, 2 ou 3 autres mondes, que ce soit madame moins, que ce soit l'autre monde de la famille, qui nous Kembel, initiative ça. C'est comme ça que nous Kembel. Alors, si quelqu'un monde qui voulait prendre contact avec vous, qui a aimé un petit support et pour éducation sans frontières, là, qui est capable de faire? Il y aura toujours Vélim 204-230-8017-204-230-80-8017. Donc 204-200-204. Mm-hmm. Une pendule, une pendule. Donc 204. Ouais, mon blanc de mémoire, le fait que moi tellement. Est-ce que c'est dans le même numéro comme rien pour moi? Oui, exactement. Oh, 204-230-97 là? Oui, 97, merci. Ok, 204-230-97, nous sommes capables de prendre contact avec vous. Ok. Mais est-ce que vous dernier bagage que vous avez dit et vous avez mis en cafou, surtout jeunes qui besoin d'inspiration, qui besoin de monde qui permettent que faire quoi dans la tête beaucoup plus pour vous connaître? Côté vous, je vous dis, vous là, mais vous êtes capable d'aller plus loin et vous arrivez plus vite. Et il y a aller doucement, mais il y a privé quand même. Qui sont-ils capables de dire? Bon, pour les que pour me dire, pour me c'est ça me fait dire, commence ma émission, il y a un parti. Après, nous comprenons l'autre monde qui est devant l'on, c'est pompier bois qui est lié, il y a un sentiment, il y a un intérêt et tout. Donc, traiter le même gentil, mais traiter tout. Ça, c'est la règle d'or, la relation humaine. Et ça te mène au très loin. Deuxième, bah, elle a gagné, un ensemble d'aptitudes, pas jamais beaucoup apprendre, quel que soit dans le domaine, que c'est comptabilité au remède, que c'est business au remède, que c'est génie au vilain là-dedans, et c'est meilleur ingénieur, et c'est meilleur professeur mathématique là, et c'est meilleur professeur français là. Vous comprenez? Ça veut dire que, gagnant idéal, et pas faire pour le monde, faire pour tête tout. Ça veut dire qu'il y a un salaire, un signal, une réputation. Vous comprenez? Ça veut dire que le nom, un côté, il veut dire un bagage. Mm-hmm. Vous comprenez? Fait trace, fait chemin. Et en plus de ça, c'est que mettez tout à coup, c'est vous qui avez bloqué tout. Pas même pas c'est vous qui avez bloqué. Mm-hmm. Pas prendre excuse. Pas dit bon pas là parce que tonton pas payé l'école moins mais qu'on y a ou qu'à apprendre quand même il pas trop tard pour apprendre. Mm-hmm. Ouais ça veut dire non pas dit que ou qu'à toujours à leur côté pendant 2012 parce qu'on voulait apprendre sous monte on voulait apprendre bon monde qui a bonne chance d'apprendre. Mm-hmm. Pas dit bon pas là parce que maman t'es prend telle décision maman déjà là décision faite déjà et où sont fait aujourd'hui là. Mm-hmm. Comprendre pas dit bon mais pas capable parce que on garçon t'es un mauvais coup il a des marques de petite des mecs qui ont 3-4 petites qui a étudié donc ça veut dire que à quelque part, pas chercher excuse pour tête ou. Mettez femme sous vous, mettez garçon sous vous, pour travailler sur la vie ou. Et mettez tête ou comme un être qui est responsable. Peu importe réussite ou échec ou, montrez que c'est vous qui êtes responsable. Et en fait, vous avez perdu une bataille, mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu la guerre. Tout autant vous vivre ou en santé, vous avez fait en pile bagaille. Il y en a pas que je veux dire aujourd'hui, il y a des gens qui parlent parce que, bon, pas parlent, mais qui brillent. Dernier texte poésie, c'était Tempo. Il fait réflexion sur temps en poésie. Il y a une bagarre que nous marquons et que nous avons constaté le tout. Quand il est neutre, temps a toujours passé. Pas dit tel bagarre trop et après trop de temps, pas faire. Non! Parce que peu importe où faire, que importe où pas faire, si, disons, vers 2010, 2009, 2010, et c'est commence son doctorat ou même pas son doctorat, je veux dire, par exemple, j'ai mis un doctorat. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça me déjoue là? Ça veut dire que comme tu es seul, comme pas seul, le temps passe. Mm-hmm. Donc, si tu as toujours passé, qu'on pas faire, plutôt faire. S'ouvre, faire. Ok. Tu penses que ça fait une différence dans la vie ou mon décision à prendre, ou est-ce que tu dois le faire, bon, tu ne vas pas mettre pour faire bagaille, marre donc, même si tu souffres pendant 2-3 ans, mais mets-toi sous lit et fais-le. Parce que ça, l'après, il y a un impact 30 ans, 40 ans sur la vie ou. Sous prochaine année. Ta parole, c'est ce qui est important. Ta parole, c'est ce qui est important. Deuxième bagage que je m'ai dit encore, c'est que dans l'Université haïtienne sans frontières, et dernière initiative, nous courons en ligne
si on sortit Haïti, bon, qu'a étudié payé combien l'argent pour étudier dans l'université, on sait de gros université payé gros comme, nous gagnons des cours qui là, et nous ouvrions pour tout le monde. Ouais, ça veut dire là, nos prix qui est vraiment abordable. Donc, ça veut dire que, au café, des cours avec nous, l'autre jour, des gangs, des cours, dans AutoCAD, par exemple, vous comprenez? D'abord, par des, disons, du docteur Villiers, Cabanou, qui a passé dans l'université, dans une grosse université ici, nous gagnons des cours en business, nous gagnons docteur Abbas, ça veut dire que, et l'université haïtienne, son initiative, côté gagne, nous, à peu près en 70% de nous, gagne doctorat dans même. Ouais. Et il y a des gens qui ont 2 maîtrises dans le tout. Ça veut dire que nous, là, nous baillons dans le génie, dans le business, dans l'éducation, là, et dans la technologie. Donc, si par hasard, vous avez besoin de cours, même si vous n'êtes pas en Haïti, quelque chose à côté, vous êtes au Chili, au Brésil, vous avez besoin de cours, eh bien, vous êtes capable de trouver nous. Je vais donner le numéro 204-230-97 et aller à www.houniversity.org. Wap joindre nous, wap ka voye message ban nous, wap ka inscrire nan cours yo, quelque sa koto yo sou la terre, ou capable prendre des cours avec nous. Et c'est des cours qui standardisés. Ça veut dire même cours ta ka suivre dans Mamide, ou bien dans BBC, ou bien dans Cégep. C'est même bagaille. Eh bien, docteur Bolivar Nabdo, merci pour participation dans Mita Kafoua. Je souhaite que nous joignons en pile inspiration. T'as quoi me dit? Nous marchons chercher des role models qui existaient. C'est pas créer nous créer. Ce sont des role models qui existaient. Qu'on pas même connaît. Nous menons au bas où. Yo partager vie privée yo, vie professionnelle yo. Et yo bord des directives côté que ou même ou ka jwenn moyen pour améliorer la vous. Yo chaque gon histoire, histoire yo important pour ou, histoire yo important pour nous. Moun sa yo, c'est moun pa nou yo. Faut que nous valoriser yo nan mitan ka fwa. Et bien, ou vienne nous sur YouTube, s'il vous plaît, inscrit abonné, subscribe, remets-nous sur Facebook, mitan kafoua. Non pas moi, c'est Marc Lubin, invitez-moi aujourd'hui, c'est docteur Batelmi Bolivar. Avant nous aller, doc, est-ce qu'on a dit ensemble avec moi, on valorise tête nous dans mitan kafoua? On valorise tête nous dans mitan kafoua. Eh bien, merci doc pour participation dans mitan kafoua. Et je crois que histoire pour l'inspirer tout le monde. Et qui prend chance, tendez comme vous toujours fait, mitan kafoua. Non pas moi, c'est Marc Lubin, à la prochaine. Merci Marc.